Qu'est-ce qui s'est dégagé en fait de la présentation? Qu'est-ce que vous avez retenu? Principalement les nouveaux espaces sur iPhone et iPad, qui je pense sont relativement intéressants pour les annonceurs. Et puis la partie events qui est aussi innovante par rapport aux autres agences médias. Et surtout par vos lancements sur iPhone, sur iPad, ce qui me paraissait intéressant. Également sur Delano et vos sponsoring d'événements qui, à mon avis, pour nous pourraient être dans le domaine des vins et des bulles pourraient être très intéressants. Le package que vous êtes en train de ficeler, que je trouve très très intéressant, avec des supports complémentaires, avec des synergies entre les différents supports, les différents canaux de communication, je trouve ça extrêmement bien ficelé et extrêmement prometteur pour le futur. Et je trouve aussi, d'ailleurs j'ai fait un compliment à Mike tout à l'heure, pour le développement de la boîte durant les dernières années, tout ce que vous avez fait pendant des périodes quand même assez difficiles, que tout le monde a vécu, vous avez quand même su développer de façon constante votre business et de façon intelligente. Félicitations. D'abord, il y avait, je pense, le nouveau format Billboard hein, qui plaît bien, plus grand, meilleure visibilité, la seule pub sur la page web ou sur l'application. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Les applications, je pense, sont très bien aussi, et cette tendance d'aller plus sur de l'iPad et de l'iPhone. L'offre 100 jours. La façon d'intégrer donc sur 100 jours tous les médias que vous avez, ça c'est une très bonne chose. Et les packs très précis qui peuvent être splittés pour le lancement d'un produit sur un jour. À mes yeux, pour des gens qui recherchent des coûts marketing ou pour dominer un marché de manière au niveau de la visibilité, c'est très intéressant. Je trouve que le fractionnement dans les packages qui ont été présentés est assez intéressant, surtout au niveau événementiel notamment. Donc une couverture pré- et post-événement, je crois que c'est très prometteur. Le rappel de tous les outils que l'agence offre, parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas toujours bien, ou alors on est focalisé sur un média et pas sur les autres, donc effectivement c'était extrêmement intéressant pour moi.